first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le lundi 10 août et il est bientôt 8h du matin. Je me suis lavée, c'est pour ça que j'ai une nouvelle fois les cheveux mouillés dans une autre vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon inactivité sur YouTube, qui sera le cas prochainement sur Insta, mais là je vais parler de YouTube et je vais commencer par vous raconter le début jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir concernant ma chaîne YouTube. Alors voilà, ces derniers temps, pour ceux qui suivent encore mes vidéos, il y en a très peu, mais sachez que vous avez forcément peut-être remarqué que je n'étais plus autant active à poster des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors pourquoi? Parce que fin juin, j'ai eu un nouveau travail et finalement, c'était mon premier travail de toute ma vie. J'étais en CDD à temps plein et finalement j'ai démissionné il y a environ deux semaines et demie. Pour les raisons que je ne m'entendais pas avec la patronne, il y avait une mésentente. Et en plus de ça, travailler 6 jours sur 7, bon, ça à la limite, vous n'avez pas le choix quand vous faites le métier d'auxiliaire de vie à domicile, ce que je faisais et ce que je compte faire plus tard dans un nouveau métier. Mais en fait, la patronne nous volait concrètement des jours de repos, que ça soit à moi ou à mes collègues, à toutes en fait. Et pour ces raisons-là, j'ai décidé de démissionner et elle a accepté directement ma lettre de démission. Et j'ai fait seulement un jour de préavis, enfin bon, tant mieux, ça m'arrangeait. Donc là, je me suis pris à peu près 2 semaines de vacances à l'heure actuelle. Et dans 2 jours, je vais appeler une nouvelle structure qui peut potentiellement m'embaucher, pareil, dans le métier d'auxiliaire de vie à domicile. Et le truc, c'est que dans ce métier-là, on n'a quasiment pas de vie. On travaille du matin jusqu'au soir. Moi, je me levais à 5h du matin. Et je rentrais chez moi, il était 20h50, 21h10. Voilà, c'est quand même assez chaud. Surtout que dans certains jours, je n'avais même pas d'heure de repos. Et des fois, même pas de jour de repos carrément. Et dans ce métier-là, vous n'avez qu'un seul jour de repos par semaine. Ce n'est pas 2. Sachez-le. Donc voilà pourquoi j'ai été inactive. Et voilà pourquoi je le serai de nouveau. Là j'ai pu me rattraper parce que voilà j'ai démissionné et je me suis pris 2 semaines de vacances pour profiter et aussi parce que je le méritais. Mais du coup voilà je vais être de nouveau inactive parce que dans 2 jours je vais appeler la structure, une nouvelle structure et peut-être que je serai embauchée, peut-être pas. De toute façon le temps que je ne suis pas embauchée je serai active mais ça risque de durer que 2 jours parce que dans ce métier là, il y a beaucoup de... Enfin, généralement les patrons ou patronnes recrutent pas mal de personnes parce qu'il en manque, enfin il manque du personnel. Donc voilà un peu pour ça. Après ça n'empêche que peu importe le métier que j'aurai prochainement, je ferai en sorte quand même de vous poster des vidéos, surtout des déballages de poupées. Voilà, j'ai acheté 5 poupées, dont 4 pulipes et un taiyang. Mais si vous me suivez sur Insta, vous le savez forcément. Ma story est encore à l'heure actuelle sur Insta, dans ma story elle est encore là, sauf que quand cette vidéo sera postée, ma story ne sera plus disponible. D'ailleurs il y a aussi ça qui rentre dans mon inactivité, c'est que quand j'ai une vidéo à poster, j'aimerais bien qu'elle soit postée le jour même, mais c'est tellement long que généralement mes vidéos se postent 4 à 5 jours après, parce que je vais pas tout le temps sur mon PC, parce qu'il n'y a pas que moi qui utilise la wifi. Du coup ça rame, déjà que c'est lent, enfin voilà. Donc voilà pour cette vidéo explication, je voulais juste vous avertir. J'enverrai les gens dans ma story Insta en leur disant voilà, allez voir cette vidéo là. Comme ça vous saurez pourquoi j'ai été inactive avant et que je le serai prochainement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut salut.